là. Va leur dire, c'est bon. Bonsoir! Bonsoir et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle dans cette magnifique salle. Ce soir, comme vous le savez, nous sommes là pour célébrer cet art que nous aimons tous, cet art qui nous fait vibrer, cet art qui nous apprend des choses, cet art qui nous émeut. Je parle bien sûr de l'élection du meilleur documentaire 2023. Plus de 350 participations, un jury implacable, des nuits et des nuits de débats pour arriver à un seul. Et nous l'avons ce soir, messieurs, dames, sous vos yeux et d'abeilles, le documentaire GOTY de 2023, élection du GOTY 2023 par DG de Panorama à l'accueil. Bravo! Félicitations! Bravo pour ce GOTY. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand honneur que d'être parmi vous ce soir. Comme disait un homme que j'admire, mieux vaut un Français vivant que 10 Chinois morts. Comme cette magnifique statuette que je viens récupérer avec grand honneur. Et vous savez qu'on est boycotté par la profession. Il n'y a personne, à part vous évidemment. Vous êtes l'élite, je vous remercie d'être là. Donc écoutez, savourez, j'ai mis toute mon âme dans ce documentaire. C'est avant tout des codes de cinéma, de la grammaire. J'espère que vous arriverez à les décrypter. Très bonne séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, la projection du dit documentaire. Merci beaucoup. Moi, personnellement, j'adore le public. C'est l'équipe, j'aime bien, on s'entend bien, mais si je fais ça avant tout, c'est pour le public parce qu'il nous le rend bien. Non, bah sérieux, vous êtes channel de bande. On va pas toucher. Voilà. Ouais, Spider-Man, faites ça pour moi. Vraiment, moi, c'est un entrain, monsieur, c'est dans ma robe. Voilà. C'est un seul souci, c'est que moi, en fait, le petit, je l'ai déjà noté sur ma pièce, c'est. Voilà, c'est BG3. Je veux dire, c'est une date dans le RPG. Non, mais ok, c'est bien, je fais des dégâts. Voilà. C'est affligeant. C'est quoi la liste précise des jeux GOTY 2023 sur Panorama HD? Moi je les ai si ça t'intéresse. Je trouve ça un peu pédant. C'est pour qui ils se prennent? On voit qui on est. Je suis en train de scroller le PSN. Je tombais sur un jeu qui s'appelle Touch the Ball. Je l'attendais. Comment ils ont pu faire une erreur de débutant pareil? Ils parlent de Dodge the Ball. Merci, camarade. C'est un plagiat. L'original est évidemment Dodge These Balls. Merci, camarade. Ça ne m'étonne pas. Vous mottez les mots. Bien sûr, mon ami. Ça ne m'étonne pas quand on voit. Quand on voit la qualité de ce documentaire qui, à mon avis, au-delà des questions esthétiques qui sont tout à fait secondaires, il y a une odeur, une petite odeur dans ce documentaire. En tant qu'israélite, si je puis me permettre, pour moi, on dirait le ventre fécond de la bête immonde. De la bête, vous connaissez la bête. Vous m'impressionnez sans cesse avec votre verbe. Digne de Baudelaire. Et je ne pourrais pas vous impressionner si je n'avais pas un public en face de moi pour briller. Par contre, c'est irregardable pour moi, je ne supporte pas ce documentaire. Que diriez-vous d'aller se soulager à la fois l'esprit et la vessie? Oui, j'ai bu un petit pinard ce soir. Bien tout sûr. À fait, mais suranné, franchement, ça me donne envie de vomir. J'espère qu'il n'était pas bouffonné. Dis donc, mon cher camarade, vous reconnaissez bien là. Suivez-moi. Quittons cette salle immonde. Documentaire. Merci. Mais de rien.
Je me soulève, je vais au water, je suis sur la côte. Je vous laisse, il y a les mouchis. Oula, la porte, attention, hein. Attention. Quel est cet individu? Alors, c'est un boycott mon film? Non, pas du tout. Il y a que de la merde qui sort au cinéma depuis des années. Tu vois ça? Night Swim. Je préfère me noyer dans ma piscine en plongeant dans la vaisselle. Non, non. Regarde. Pas ça. Monsieur le maire, Clovis Cornillac, tout le monde l'a oublié. Il suffit de voir l'affiche. Non. Regarde. C'est quoi ça? C'est une migraine grève dans le village. On voit direct la fille de gauche. Non, tu l'as pris magnifique. Lui, c'est le bon maire qui va dire, mais si, on peut l'accueillir parmi nous, c'est génial. Et jamais je regarde ça de merde. Bien sûr. Les trois mousquetaires, deux. Quand on voit l'affiche, c'est quoi le problème? On a l'impression que c'est le trois. Quand je suis allé voir le premier, il n'est même pas marqué partir. Jamais je vois cette chasse. Et c'est pas terminé, regarde-moi ça. Migration. J'aurais aimé qu'il l'appelle remigration. Quel signe je peux faire? Follow dead. S'il te follow, t'es mort. C'est ce que je pense. De toute façon, des anglicismes à répondre. Il y a tellement plus de films au cinéma, incroyable. Il y a une queue d'affiches. On ne sait plus quoi diffuser, je crois. Wish. J'aurais souhaité que ça ne sorte jamais en salle. Certes, certes. Magnifique film. Je ne l'ai pas vu, mais. Une petite femme donne neuf. Tiens, cher Popcorn Man, auriez-vous l'honneur de me donner un petit pot de popcorn? Est-ce que je te sers sucré ou salé? On se revoit, s'il vous plaît, mon cher camarade, du popcorn sucré pour ce soir. Ça te suffira, t'en veux un peu plus? Écoutez, je paye le pot 20 euros, je pense que je peux en avoir plus, oui. C'est bon. Mets ton code. Code, mettez-moi ça. Oui, de quel droit vous permettez-vous? Mais quel code? J'ai oublié le code. Je n'ai pas de code. C'est bizarre. Je ne paye pas. T'as pas le code non plus, j'imagine. Il est où, mon ami? Grande de paysage, en soirée à Marbèche. Oui, j'ai peur de ce qui... Qu'est-ce que c'est que ton endroit? Qu'est-ce que c'est que ton endroit? T'avais pas oublié ton post-it? Oh, je cherchais depuis très longtemps pour finir ton jeu de merde. Mais quel post-it? Mais mon Dieu! Alors là, je suis éberlu et je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être en épisode de Twin Peaks. Puis-je repartir? Attention, il fait sombre. J'entends du bruit. Là, là. Encore des films, hein, magnifiques, regardez-moi ça. Seule chose, hein. J'ai une douche magistrale. Padawar de Gotti 2023. Je crois que c'est la prochaine programmation. Allons-y. Ça peut être mieux. Ça peut être mieux. Ça ne peut être que mieux. Oh! Je suis estomacé.
La seule marche, je dirais. Bon, nous espérons que ce type en charge de la. On va commencer la cérémonie des Battle Awards de 2023. C'est la première et la dernière. Les Padawan Awards, nous allons, comme vous le savez, comme d'habitude, chaque fin d'année, décerner les meilleurs prix des meilleurs jeux vidéo de l'année. Vous avez été déçus des Game Awards. Vous avez été déçus des tops sur les jeux vidéo français. Vous avez été déçus des tops des youtubeurs pourris. C'est bien ça? Oui, ce soir, on n'aura pas valeur sur les trois autres tops. Il n'y aura que des bons jeux. C'est ça? C'est ça, donc bon. C'est d'ailleurs qu'on va être le meilleur jeu de l'année. On sait déjà qui c'est. Il est sur PlayStation 5. Oui, le meilleur jeu de l'année sur PlayStation 5. Et du coup, on a fait ça bien, les mecs. On a fait ça par catégorie. On a les enveloppes No Fake qui ont été créées par des huissiers. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Et donc, bah, c'est parti pour la preuve. Vous êtes chaud pour les Game Awards ou pas? Relativement décevant pour beaucoup de gens. Eux, ils disent de merde. Moi, je suis en bisounours, donc j'ai quand même kiffé. Mais on va vous donner les nommés ce soir. Pour la plus grosse déception de l'année, sont nommés Final Fantasy XVI, ouais. Zelda Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Diablo 4, Starfield et Inspecteur Gadget. Quelqu'un peut me tenir le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et le jeu le plus décevant dans cette année de merde est bien entendu Final Fantasy VII. Vous avez été extrêmement dur avec Zelda, c'est pas bien dire. Novateur. Mais Zelda, qu'est-ce qu'il a, c'est le même jeu? Non, c'est pas le même jeu, on peut construire, j'ai construit des trucs qui volent, c'était trop bien. D'accord, c'est un DLC. Voilà, dans Final Fantasy VII, est-ce que j'ai construit des trucs qui volent? Non, j'ai fait une mission de 2 heures, on me dit qu'on va avoir un vaisseau, on va voler sur la map. Il n'y a jamais de vaisseau, n'achetez pas cette merde. Très bien, écoute, on sera pas d'accord, je vous propose de faire voter public. Public. Final Fantasy XVI ou Zelda pour la plus grosse déception? Final Fantasy XVI, levez la main. Et Zelda, vous êtes mes frères! Attendez, à mes yeux, vous êtes des frères! Les gens, vous êtes des vrais déceptions! Vous êtes des frères, vous! Merci beaucoup. Ah, vas-y, il y a plus de retour, magnifique. On voit que c'est un exil, c'est fini, mais. Bah, c'est une très bonne soirée, je sais, vous adorez ce qui se passe. Il y a un jeu interactif sur PS5, fait par des Québécois qui est absolument catastrophique. Comment s'appelle ce jeu? I love your grandmother. I love your grandmother. Et sur le jour. Your dead grandmother. Your dead grandmother. Voilà. C'est une catastrophe. Je ne jamais acheter cette carte. Et en dernier, on a Nico Hills. Attention, le super de la. C'est très très chiant pour sortir. Surtout quand on porte des gants. Pépé, attention. Ah, j'aime ça. Et le prix du pire éditeur de l'année 2023 est attribué à Nico Hitz. Et oui, Nico Hitz. Et on est sur le même président. Une arnaque absolue, je vous en parlerai prochainement. Ils ont envoyé des mails de menace. On a supprimé l'interview. Ils ont menacé le développeur qui a gentiment raconté ce qu'il leur avait fait. Moi, je pense qu'il mérite amplement ce prix. Et on va le renvoyer dans la poste. On perd le replay. Parce que je crois qu'il est. Ah oui, ah oui, ils ont un préfet. C'est un prix personnalisé. Alors, je participe plus. Mais pourquoi j'ai deux micros? Parce que t'en as deux, regarde. Une double. Alors, mais là, c'est la monnaie de l'humain pour. Game of War. Oui, t'arrives pas à lire. Le 3, Rest in Peace, c'est vrai que c'est fini le 3. Eh oui, il y a fait à son âme. Gamescom. Gamescom. Qui a crié en effet? C'est une ordonnance, c'est une ordonnance. Summer Game Fest. C'est professionnel. Non mais Tokyo Game Show, il n'y a pas de conférence au Tokyo Game Show. Padawan ou pas? Padawan ou pas? Alors là, on se demande bien. J'espère pas. Allons-nous être objectifs ce soir? En même temps, tout était nul, c'est à dire. Et le vainqueur est. TPMP. Non. Non. Non, pas d'Awa Mowa. Ouais, oh, ouais, ouais. Oh putain. Eh oui, merci. Merci beaucoup. Putain, c'est beaucoup d'émotions. Il y a un trophée peut-être? Il n'y a pas de trophée. Oui, le Padawan. Merci beaucoup.
Merci pour tout ce que vous avez se trouver. Je suis très ému, je ne sais pas quoi vous dire, merci public. Merci d'avoir cru en nous, merci que vous êtes déplacé d'aussi loin. On a été, c'est vrai, on a été bloqué par la profession, c'est très dur. C'est avec toute humilité que je l'accepte et je le garde toute la soirée, merci beaucoup. Merci. Ça fait un duel prochain, après j'en vote. Ensuite, quoi ? J'en vote. Alors ensuite, on va voter pour le meilleur viewer de la chaîne Padawan HD. Oh. Je pensais être qualifié pour pouvoir vous juger à ce niveau-là. Donc les nommés sont, pas les nominés les gars, hein. Les nommés sont Rochambeau, Zoabel, Oaptao, Pyramidas, ah, et Snarkbit. Bon ben pour des raisons économiques évidentes, c'est Snarkbit, le meilleur viewer de l'année, on peut l'applaudir. Bravo. Snarkbit, si tu nous regardes, Snarkbit, on a un message pour toi. Merci, continue l'année prochaine, mais claque pas tout ton RSA dedans, c'est pas cool. Bravo Snarkbit, je vous ai beaucoup ému. Beaucoup de temps. Beaucoup pour me soi. Alors ça, c'est pour toi. C'est pour moi ça. Qui donne Resident Evil 4, Dead Space Remake, attention, Spider-Man 2, Avatar, Frontières of Pandora, Assassin's Creed Mirage, ou Star Ocean Remake. Beaucoup de remakes. Beaucoup de remakes. Il faudrait peut-être expliquer pourquoi il y a Avatar en remake. Oui. Qui a fait ce top? Y a-t-il des gens qui savent pourquoi Avatar est un remake? Oui, bah parce que c'est un remake de Far Cry. Oh, subtil. Attention. Roulement de tambour. Oui. Resident Evil 4. Wow! Of course! Bravo Capcom! Bravo le remake. Magnifique. On enchaîne. Ça, c'est des Game Awards. Eh les mecs, on est des professionnels! Ah, bonjour, DG, c'est pour oui. toi! C'est quoi? C'est pour toi! Alors. Ah, le GOTY 2019. Oh! Oh. Si, parce qu'en 2019, on a pu faire la cérémonie. Parce que c'est honteux! Donnez-moi le micro! Est-ce que tu veux découvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe? Vas-y. Attention. C'est le meilleur jeu. Death Stranding. Ouais. C'est le seul qui est nommé Death Stranding, absolument. Qui a remporté le GOTY 2019? Le suspense est à son comble. Qui a fait ses enveloppes? C'est toi! C'est des pochettes de bureau valise. Vas-y, vas-y. Ne glisse pas au jeu, alors, attention le câble. Oh, bah, bah. Vas-y. Pardon. Sekiro, peut-être. Ma gueule, il n'y a pas nominé Sekiro, mais Sekiro là. Oui, c'est le meilleur jeu de 2019. Il est récompensé à sa juste valeur. Vérité, vérité. Est-ce qu'il met Jackie dans la salle? Que je lui pète sa gueule. Ah, il est Hollandais. Oh, oh, oh. Il nous fait chier jusqu'en 2023 ce Sekiro. Qui a rejoué à Sekiro? Qui a rejoué à Sekiro? Ouais, tu vas faire quoi? L'exclu, tu vas faire quoi? Le vote du public. On va faire vote à main levée. Qui méritait le plus en 2019? Sekiro ou Death Stranding? Alors, qui vote Death Stranding? Allez-y. Ouais! Pardon. Qui vote Sekiro? Ouais! Oh Sekiro, merci. Sekiro! Sekiro, loin devant. Merci, merci. Catégorie suivante, s'il vous plaît. X Into the Night et Inspecteur Gadget. De Microïd. On va. Tu veux me donner un Microïd? Je vais ouvrir devant vos yeux. Tu veux que j'aille là, c'est ça? Je vais ouvrir devant vos yeux l'enveloppe. Attention. Cachetée par l'huissier. Par l'huissier, évidemment, mais maître Barbès. Qu'est-ce qu'on a? Toon Peaks Into the Night. Ouais. Alors là, c'est assez incroyable parce que pour une petite cérémonie qui débute comme la nôtre, on a vraiment les créateurs du jeu qui sont chez nous, à Los Angeles. Wow. Les mecs qui ont créé tout de suite ce jeu, ils ont battu. Vous avez gagné un coffret de la saison de Queen's, mais il faut nous rendre juste après. Oui, là, moi, je l'ai toujours pas vu. Bravo. Écoutez, merci à ce jeu qui n'est absolument pas pour nous. On ne s'y attendait pas.
Ah, c'est tout, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, non, j'ai aucun problème, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est quoi votre jeu en fait? J'ai pas compris, c'est un jeu PS1, on est où là? C'est un jeu PS1, oui, mais qui ne tourne pas sur le PS1. C'est ça le twist. Et on peut savoir quand on pourra l'acheter sur Steam? Alors, il y a peut-être en coulisses un trailer qui se prépare, qui va peut-être être diffusé, je ne sais pas. Le trailer World Premiere ou pas? World Premiere, exactement. World Premiere, c'est énorme. Juste pour voir la communauté. Incroyable. Merci beaucoup les mecs. Le 3 n'a qu'à bien se tenir. C'est vrai que dans le village, on aurait pu mettre maintenant le trailer. On a monté en urgence, donc voilà. Merci beaucoup les mecs. Ah, on a beaucoup de chance. Alors les Sénégalais, pour la première fois aussi, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de talent, j'ai été impressionné par leur jeu. Tu m'as dit il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans la première fois que tu m'en as parlé, 1 ou 2 ans? Ouais. Un an et demi, je pense, ouais, à peu près. Au début, j'y croyais pas. Là, j'ai fait la démo, j'ai halluciné, c'est incroyable. Combien de personnes l'ont fait par vidéo? Plutôt qui n'a pas fait? Ok, quasiment tout le monde l'a fait. Eh bien écoutez, je vous conseille, quand vous rentrez chez vous, vous téléchargez le jeu, qui est gratuit, c'est une démo. Si vous êtes fan de Twin Peaks, et même si vous n'êtes pas fan, c'est incroyable. C'est un jeu avec le moteur PlayStation 1. Donc là, c'est deux jeunes, tous les deux, tout seuls, qui ont fait ça. C'est incroyable. Et donc là, ils sont en train d'essayer de porter le jeu, enfin, faire un truc vraiment entier qui dure, je sais pas, 10 ans. Alors, le jeu, on ne sait pas. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que de notre côté, avec Thomas Fessal, qui vient aussi la communauté, on est en train de monter un dossier pour essayer de voir si des éditeurs aussi fous que nous veulent essayer de nous accompagner pour obtenir les droits auprès de la Paramount. Donc voilà, on est en train de faire ça, je pense que ça va d'ici mi-janvier, février, on va lancer les bouteilles à la mer et on croise les doigts. Incroyable. Ça va être tous les gars, policiers, ils ont beaucoup de talent et beaucoup de talent. Merci beaucoup. Ça, malheureusement, il y a une grande campagne sous les vannes d'espoir. En tout cas, je fais tout pour que Twinkie ne soit pas un simple fantôme. Ensuite, la catégorie de l'escroc de l'année. L'escroc de l'année. Alors, sur le PDG, ça nous a fait croire qu'il partait encore une fois pour des dons, on le sait. Alors, on a toi de voir. A-O, Noom, A-O. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression de... T'es sûr que c'est le nom du jeu? A-O, Noom, A-O. Je ne sais pas ce que c'est. Qui a écrit cette commande? On fait lire des dingueries. Ah non! C'est pas A-O-Nooma? A-O-Nooma? Il y a O-T à la fin. A-O-Nooma, c'est pas la bonne idée. Il est content de sa blague. Il est content de sa blague, Hideo. C'est lui qui a écrit A-O-Nooma. Naoki Yoshida. Merci. Et Geoff Naïté. Ah, un grand génie d'escroquerie déjà avec le Doris House Games. On le sait, en bande organisée avec. Avec un certain Julien. Alors. Merci beaucoup. Attention, attention. Ah, tu choisis celui que tu préfères pour le micro. Alors, Chancelo. Oh là là. Hideo Kojima Desu. Quoi? Pour le let's play de Mizuna. Mais je suis pas. Voilà! Tu l'as mérité. Tiens, se passe des choses terribles, mais j'en veux pas. Escroc! Bah, merci à ma mère, mon père. Je suis très content d'escroquer les gens. Je suis content d'avoir jamais fait le jeu. Mais on s'en fout de. Ils ont la faute. Il y a une pixie sort, c'est bon. Et Jedi sort avec moi. Pourquoi tu en parles? Alors là,
Naruto sur lui. Il y a la Naruto. Non, c'est très nul. Et Robocop. Ah, Robocop, oui. Ah. Il dit où j'achète des jeux et finis jeux. Moi, j'ai pas pu jouer. Bah, moi, j'ai pas pu jouer. Il se joue pas. Il envoie tout le kick, s'il te. On descend de la salle. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Ça devrait sortir cette année. J'espère que ça vous plaira. Et la dernière enveloppe. La dernière enveloppe avec vraiment les pizzas. J'espère qu'il y a quelque chose. Attention, il y a quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas une farce. Oh putain, je prends pas vrai. Oh putain, je prends pas. Et le GOTY 2023 est attribué. Spider-Man 2. Non, contrôle d'huissier. Il y a marqué, on va vous dire la vérité sur cette chaîne, le GOTY pour Padawam HD, pour la majorité de l'équipe, est évidemment le chef-d'œuvre Dodge the Ball. On peut l'applaudir. Effectivement, alors faites attention si vous voulez acheter le GOTY 2023. Vous avez le OG de l'année 2023, Dodge this Ball. Mais si vous tapez Dodge the Ball, vous avez un enculé de russe qui t'a fait une sorte de bootleg de ce chef-d'œuvre qui s'appelle Dodge the Ball. Attention! Et qui coûte 1€ de plus! 1€ plus cher! Donc Dodge the Ball. Ça coûte 3 fois le prix d'origine, 49 centimes. Voilà, juste, voilà. Dodge the Ball, 49 centimes sur le PSN. 49 pour le plaisir. On y a joué 10 fois plus que Avatar. J'ai le record. 80€. J'ai le record. Hugo, t'as le record. Alors voilà, justement. Donc. J'ai pas eu le temps, mais vu que peu de gens connaissent ce jeu, qui est le GOTY, donc là, je vais aller brancher la PlayStation 5. Et on va tous faire des records de Dodge this Ball toute la nuit. Voilà. Si quelqu'un bat le record d'Idéo, j'ai essayé toute la semaine. Et il aura un cadeau. Il aura un cadeau. Bien sûr, ce magnifique canard qui attend. Donc voilà, bravo pour le GOTY. C'est le GOTY de la chaîne. Sans la bâtiment. On fait le moment émotion ou pas? C'est le moment émotion. Très étrange. Allez les gars, on fait comme on a répété. C'était Spider-Man 2, Logan. C'était Spider-Man 2. Allez, on fait comme on a répété toute la semaine. 1, 2, 3, Padawam HD. Ouais. On annule, je ne connais pas cette individu. On a beaucoup répété, on a fait plein de séances ici. Bravo. Je tenais juste à dire, j'ai un petit message personnel pour Flavien S. Qui se trouve à côté de moi. Le mec, regardez le petit bonhomme là, mal sapé, qui est en train de sortir une série digne de Pixar, seul sur son ordinateur qui marche même pas. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais le mec, c'est pas tout, parce que le mec, c'est un bosseur, c'est pas tout. Il a dit, Flavien, il a écrit un livre sur Lost qui sort l'année prochaine. Il n'y a pas encore de date? Il y a une date, il n'y a pas de date. Alors oui, il a l'éditeur, ça va bientôt sortir, donc il faudra acheter le livre. Moi, je l'ai lu. Je suis la seule personne qui a l'avoir lu. Même si je ne sais pas si Flavien a lu, je peux le voir. Oui, c'est bon. J'ai jamais lu. Donc lui, c'est un chef-d'œuvre. Et là, c'est le moment où j'aimerais beaucoup mettre mal à l'aise Flavien. Puisque pour le remercier d'avoir fait ce livre, je lui ai acheté un cadeau. Que je vais lui offrir tout de suite. Bon, alors, Sel, je te laisse parler du cadeau. Enfin, moi, je le connais pas. Cadeau mystère. Moi, je propose pour enlever le malaise, on va laisser parler Flavien de son livre.
Voilà le cadeau de Flavien pour le remercier d'avoir fait le meilleur livre. Le collector. Waouh. C'est énorme. Là, moi, je vais vite me cacher parce que je suis très mal à l'aise dans cette situation. C'est pas possible. Je croyais que c'était les Padawan Awards, pas les Flavien Awards. Ouais, c'est... on t'adore tous, Flavien. Et t'es où sur la chaîne, on ne te voit plus. Attends, il peut pas tout faire. Ouais, il travaille. Je suis très ému et très gêné. C'est beaucoup trop lourd. La fête de Noël tombe. Putain, là, il s'émerde de voiture. Le malaise. Devant 50 personnes. Le malaise. Là, quelle violence. Attention, Mister. Bon, là je me retiens très fort de ne pas chialer. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose dont je rêve depuis 2010. À une époque où j'étais très peu fortuné, je n'ai jamais pu me l'offrir, c'est absolument extraordinaire. Donc je tenais à remercier avant tout Ubisoft. C'est l'amitié, c'est normal. Je et merci à l'équipe Padawam HD, je vais aller chialer un coup là-bas. Je reviens, les gars. Attends, tu pars. On est vrai, quelques mots sur ton futur chef-d'œuvre qui sort. Qui sort l'édition l'année prochaine. Voilà, bon, pour les trois pèlerins qui aiment Lost, Lost c'est ce que je préfère voir au monde. J'ai essayé de faire le meilleur livre Lost du monde, de la planète Terre. Il a réussi, on verra si c'est réussi. Donc n'hésitez pas à l'acheter, même le prix vous fera rire. On a très très hâte de l'acheter, Flavien, ça va être exceptionnel, un livre sur Lost. Et qu'est-ce que c'est ça, Flavien? On comprend pas là. Ah oui, pour les gens qui savent pas. C'est la box complète de la série. C'est super en rapport avec la cérémonie des Awards, c'est cool. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a encore l'étiquette ici. Ah oui, il y a l'étiquette pour vraiment voir le prix de l'amitié. Ça fait plaisir. C'est la box complète avec, pour les fans de Lost, un jeu de scénette à l'intérieur, la carte de l'île. Et tout plein de choses qui intéresseront sûrement les quelques fans de Lost en France. Merci l'équipe, merci à vous, je ne sais pas quoi dire. C'est qui Olivier hein. Moi j'ai une question pour Olivier, c'est quand la série IRL va sortir? Est-ce qu'il y aura une diffusion ici au cinéma? Vous connaissez Flavien, il est timide comme tout, mais moi je demande il que ça. Il faut une sortie cinéma. Est-ce que tu assumes le full set IRL pendant 5 heures d'affilée au cinéma ou pas? Il y aura le full set IRL. Avec une dédicace de chacun des acteurs d'IRL qui sont présents devant nous. Ah, là je dis oui, là je dis oui, bravo, bravo. Bravo. Je pense qu'il faut lui faire un câlin maintenant. Tout de suite, il faut avoir une émotion pour mon match. Oh, c'est beau. Ah, j'adore ce mec. Vous aurez jamais ça, ok. Il est en train de pleurer, vous ne voyez pas. C'est quand il vient d'écouter la cérémonie. Il était animé, mais il y a des pizzas qui arrivent, il y a des pizzas derrière moi. Quand est-ce qu'on voit l'IRL? Alors par contre, tu peux pas le regarder, parce que c'est US. D'accord. Et après, il va te renvoyer, il faut pas l'ouvrir. On va pas regarder. À voir si tu l'ouvres ou pas, c'est tout. C'est bien comme ça. Ça fait quand même 15 ans que c'est pas ouvert. Vous avez soif, vous avez faim? C'est maintenant. Allez, venez. Wow! Vous avez soif, vous avez faim? Ouais. Bah écoutez, c'est parfait. À table, là. Et on va brancher une Dodge Baseball. Je les en. Je décide. Dans le micro. Elle est quand même pas mal cette statue là. Ah, j'ai vendu même ou pas DG? On la veut tous. Mais déjà, elle est à la Paris, je suis passé à côté. C'est parti. Yes, c'est quoi cette merde? Je sais pas. Ah ouais! Oui, vas-y. Bien joué, un point. Artiste, filmez-le. Il a trouvé le point. Je veux qu'on filme. Le Carla quelque chose. Bien joué. C'est un blind test, les gars. Comment on va faire cette merde? Y'a pas de retour sur l'écran, hein. Rassure-moi, Olivier. Non. Je veux le temps du show. Alice sur le beurre.
celle-là, tout le monde la connaît. Pas du tout. De rien, mon pote. Ça me fait plaisir. T'es pas adapté à ton public, DG. Hein. C'est quoi qu'on voit là? Je vais faire beaucoup. C'est Raiden. C'est Raiden qui rend. Raiden, il découpe. Il découpe. Ouais. Vas-y. Ma part de problématique. Pas du tout. C'est un des groupes préférés de DJ. Non mais d'accord, vous avez Muse, mais il y a le titre. Personne ne l'a. The Resistance. Vas-y. MK Ultra. Un point. C'est pas la marque Lavoine? Six canards. De la musique. C'est vrai que c'est plus classe. Venez récupérer sur scène. Déjà, vous aurez du mal à reprendre. Écoutez, nous espérons que cette soirée vous aura plu. On va continuer à discuter avec une de choses importantes. Bravo la team. Très belle, attention. La suite du jeu flashback. La vraie sorte. Fade to black. 5 points. C'est bien fade to black. Félicitations, tu as gagné les 5 points. Et donc ça te fait 7 points. Ça te fait donc 7 points. Tu as gagné ton Chrono Tiger. Tu peux venir chercher un peu l'applaudir quand même. C'est vous, bordel de merde! C'est vous! Oh! Il est parti, il est parti! Alors attention, maintenant, on va faire un petit peu de DG. Attention! Comment se prénomme le héros de GTA 3? Claude! Tout à fait! On avance bien, hein? Facile, putain, j'aurais jamais dû en parler ce soir.
J'en ai parlé avec des gens entre vous. Dans quel univers d'Heroic Fantasy se déroule le jeu Planescape Torment? Un point, c'était bien Donjons et Dragons. Inspiré le jeu vidéo Clock Tower. Les deux Phénoména. Si ça tenait qu'à moi, t'aurais 15 points, c'est un point. Bien joué. Phénoména de Dario Argento, Matteo, c'est complètement fou. Ça se passe en Suisse et il y a du métal pendant toute la VO. Et Flavia, vaut mieux regarder Phénoména ou jouer à Clock Tower? Les deux. T'as la réponse. Est-ce que t'as pas choix? J'aurais jamais dû vous faire dans True Crime Street of LA. Non. Ah, faut pas le dire. Non. Non. Pardon? Non. Perdu. Non. Tout à fait. Et je t'accorde pas loin, aujourd'hui ça s'appelle Snoop Lion. Non, non, si c'est vrai. Jeu de dingue, hein. Jeu de dingue, hein. On l'a vu, c'était un petit peu. C'est le premier jeu PS3 sur PS2, hein, faut le dire. C'est Medal of Honor sur les deux points. Du jeu vidéo Ghost Hunter sur PlayStation 2 en VF. C'est un rapport avec la. Danny Boone. Non. Daniel Beretta. Non. Emmanuel Curtil. Attends, un point par contre, il nique sur les anecdotes. Pour la DG, c'est tout. On peut avoir le nom du film? Le nom du film? Oui. Ah, le nom du film porno pour Ben Lemes. C'est vrai. Ça va, c'est pour savoir l'histoire de Resident Evil. C'est parti, du coup. Ok. Il allait s'asseoir. Le Bayou Hazard a dû changer de titre en dehors du Japon. Par rapport au groupe de métal hardcore américain. Incroyable. Parfaitement. Il apprend son bruit. Il a droit à son lot, tout à fait. Bien sûr. Tu peux venir le chercher sur scène. Je te l'envoie. On va pas se déplacer. Je suis honoré. Bravo. Merci. On applaudit les gars. Pour la France. Pour la France. Pour la France. Pour la France. Ah, merci. Monsieur. Ah non. 3 règles. T'avais déjà choisi la 4 fromages, chef. T'avais déjà choisi la. Non, pardon, je comprends. Excuse-moi. Donc, Rennes, 3 Rennes. 4 Rennes. Royal. Royal. And I feel all so many times, just sorry, feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not a change, a little person, still in love with you. And Joseph, they expect me to be free. And I'm saving all my loving for someone who's loving me. But now go, walk out go. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. But you're the one who tried to help me with goodbye. You think I crumbled, you think I lay down and die. All life, I will survive. Oh, as long as I know I'm love, I know I'm still alive. And all my love to give, I've got all my life to give. And I'll survive, I will survive. Gonna go, walk out the hall. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. But you're the one who tried to break me with goodbyes. You think I crumble, you think I lay down and die. I'm not alive, I will survive. As long as I'm alive, I want to stay alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. And I'll survive, I will survive. Merci. Tu te mets ça. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. C'était le petit rendez-vous dans 10 ans.
même si on est à l'heure de pas. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chacun pour moi, t'as une nouvelle après passe. Et vous, et vous, et vous. Et vous, et toi, Marco, qui ambitionnait simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi, Antoine, et toi, Laurent, et toi, GG. Est-ce que vous aimez? Assis sur l'hiver, les copains, on s'est tout dit, on s'aime. On peut pas faire 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois tu as une CM derrière moi. Elle part à droite, je vais me suivre. C'est ta voix, c'est ta voix. Attendez-moi. 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 Allez. C'était mon rendez-vous en 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenus des grands hommes. Des grands hommes. And back, one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, would you capture it or just let it slip? Yeah. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. 30 deep song, forgetting what he wrote down. The whole ground goes so loud. He opened his mouth, but the words won't come out. He's choking now, everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over black. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up. That is, he knows, he won't add it. No, he won't back it, he won't. It don't matter, he's done. He knows why, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to his mold. Alone, that when he's back to the lab again. Yo, this old rap shit, you better capture in this moment and hope it don't pass it. The dirt in the music, the moment you own it, you better never let it go, go. You only get one shot, you might miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Qui est le propriétaire de la photo? Allez. Il reste 6 photos, on a plein de jeunes, messieurs. Allez, moi j'en fais une. Avec le collecteur. Ta figurine? Énorme. Ah ouais. Avec qui? On va se faire. Ouais, je suis désolé, on voit la bière. Je suis comme ça. Là c'est bon. Ouais, j'entends. Ok. Alors on reste sur le côté. J'ai le teaser habillé, mais je fais putain, ça me plaît. Alors on a du record sur Don Frisland, pas c'est qui joue. Je vais pas chanter Battle. Mais il y a le mec de la série. Don de Bellon. Merde. Ah oui. Motivé pour chanter, je vois. J'ai la envie de jouer. J'ai la envie de jouer. Bien caché quand même. C'est fini pour moi, bien sûr. Merci, ouais, aussi. Ouais, l'ambiance, c'est que c'est un problème. C'est qui le responsable? Merci beaucoup. C'était Breaking Bad, mais il y a eu les Sopranos. Merci beaucoup. A priori, ça a l'air d'être bon. Elle est bonne. Je pense qu'elle est nickel. Hein. Elle est belle en plus. Hein. Incroyable. Tu kiffes? J'adore Chrono Trigger, forcément. Ah. Parfait. Ah, mais voilà. Ça, c'est un putain de collector, je peux te dire. On a pas d'autre. Et pareil pour la figurine DG. Bon, celle-là, je sais qu'elle est. Je m'y attendais vraiment pas.
Ta-da-da-ta-ta. Magnifique. Oh putain, j'ai pas eu ça. Et qu'est-ce qu'il fait le... dans le GSB? Bah, en fait, les autorisations. Et on fait le thème des chocobos aussi après. Mmh. Allez, là, je suis là, c'est tant qu'à faire. On fait la totale. On fait la totale. Ok, normalement c'est bon. Bah attends, Fabien, fais avec mon téléphone. Vas-y, on après, ça se met automatiquement sur le micro. T'es chaud pour le thème choco, bon, je le mets en tête. Oui, hein. Oui, je le mets bien en tête. Faut appuyer sur le bouton rouge. Merci. C'est le thème de Parasite. Ouais. Okay. Non, mais là, c'est trop. 1, 2, 3, 4. Pa 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 la. Pa 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 la. Pa 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 la. C'est après. Ah oui, je suis parfait. On l'a entendu comme ça. C'est après. Ça finit sur ça et ça vous. T'es prêt pour le chocobo? Ok, t'es prêt pour le chocobo? 1, 2, 3, 4. Ta ta mais je fais le plat. Ok, on recommence. C'est Olivier, il me fait rire. 1, 2, 3, 4. Ta ta la la pa 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 Bon. Et ça en fond pendant tout ce temps. La bonne huile d'olive italienne. J'ai plus peur de rien, j'ai fait la grande roue, toi, Léa. Mais non. Je ne ressens plus les effets de la gravité sur moi. Tu viens du film La Gravité? Avec Sandra Bullock? Non. C'est un film français de banlieue qui s'appelle La Gravité. Avec des Renois en cité. Et il y a une planète à la mélancolia qui va s'écraser. Si on fait du Tetris un peu, ouais. Il y a un coffre, non? On met à l'arrière et on peut dans le coffre. Il y a deux, trois. Tu veux quoi comme nous? Bah, je sais pas. Une Evian? On fait ça? Non, Evian? Celle-là ou des petites? Elle est petite, ça va, elle est du vin. Non, mais des grandes bouteilles ou des petites, sur la petite. Et plus vite, un hein? Pack. Ah bah non, un carton. Ah, il bosse bien, il est encore un peu rebelle, mais dans 2-3 générations, ça va faire. Je vais pouvoir en tirer quelque chose. Allez, on avance! Ah ouais, on avance. C'est déjà la musique. On va se faire un cumide rouge. Vous vous connaissez un cumide rouge ou pas? Non, monsieur. Est-ce qu'on ferait plaisir comme cumide rouge? Tu vas goûter. Je peux pas, monsieur, ce serait ma religion. À gauche, monsieur? À gauche, allez. Très bien. Eh putain, voilà. C'était bah, tout ça au trou, ça vitait. Et pas le trou. Excusez-moi, monsieur. Et ça avance, monsieur, qu'est-ce qui se passe là? On a un bâton dans les roues, monsieur. Ah, c'est bon, monsieur. Non, vous pouvez rester, vous pouvez rester. Vous savez que vous pouvez pas marcher. Alors, Pédieu, ça me parle ça? À mon avis, tu me sens bien la paix de Dieu quand tu as ton cidre doux, ça me parle aussi là. Votre myocarde, monsieur, vous savez. Faire attention. Ouais, pâtis de redoux. Pas bien. Oui. Non, c'est votre verre. Pâtis de redoux pour nous. Bien savoir. 24 bières. Bien savoir. Le problème, c'est que si j'achète, je vais les boire, quoi. Fabien, c'est quoi la différence entre le couvercle doré et le couvercle rouge, s'il te plaît? Il y en a peut-être une qui est light.
du cidre doux light, ça va, il faut pas non plus abuser. Brut et doux. Peut-être c'est plus, ça ouais. Et pourquoi le brut serait le doré? Parce que doré, brut. Attends, voilà, c'est bien. Doux, t'es rouge quoi. C'est écrit. Ah, t'avais raison, brut. Allez, un petit cidre doux, allez, c'est bon, c'est pour moi. D'accord. C'est pour moi. C'est pour toi, littéralement. Oui, c'est pour moi. Je sais pas que ça rentre pas dans la caisse là, tout ça. On mettra sur les genoux. Sur les genoux? Alors attendez. Sur les genoux. Il me faut un cubi d'eau. Rouge. J'y connais rien, moi. Non. Attends, je vais choisir. Ça va partir en format 24 confort là. Format 24 confort, c'est ça qu'il te faut. Ça peut pas faire, jamais faire de mal. Ça? Ouais. Très bien. Mais non! C'est de la merde ça! Non mais je veux pas m'acheter 40 trucs de Rochambeau de merde. Mais tout le monde veut du PQ Rochambeau. Et que toi qui es amoureux de ce celui-là, mec. Celui-là ouais, vas-y. C'est pas du Rochambeau. Non, c'est mieux. Pas okay. Compliqué en même temps. Allez. Après, ce qui m'intéresse, c'est les grosses bobines de Sopalin. Voilà, celle-là. Là, c'est plus. La grande, là, pour les chiottes d'aéroport. Ouais. Très bien. Ensuite, trace ta route, mec. Ça marche. Droite ou gauche? Gauche. Virage de l'intérieur, oula ça va. Je fais la mise en scène, merde. Elle est magnifique. Alors. Top. On s'arrête ici. On prend des copies ou pas? On leur donne quoi à ces cons de viewers là? De l'eau. À boire. De l'eau. Vous avez une bouteille de 50? On prend des grosses bouteilles. Les viewers, ils vont nous coûter une blinde. L'intégralité des viewers. Il n'y aura pas plus. Ça, c'est pour la conso perso d'Olivier. Ça. Hey. C'est la conso de son bras, ça. Si. Ça, c'est avoir vaincu ses peurs dans la grande roue. Du desktop. Pourquoi c'est bouché chez les viewers, ils ont soif. Et la douche qui est un peu bouchée, Olivier. Stop. La douche bouchée, il faut mettre les mains. Moi j'ai mis les mains pour la déboucher là. J'ai mis un peu hier soir. C'est les poils d'idéo ça. C'est résistant ce truc là. Je te fais rager avec mes lancers haut de gamme ou pas? Tu me motives, tu me donnes un exemple. Pour m'améliorer dans la vie. Un jour peut-être que j'ai... Oh pardon, je t'ai fait mal. Je lui ai vraiment fait mal. Je lui ai brisé le pied. J'ai cassé son pied.